Comment tu payes ton loyer? Ben, j'ai mon salaire ici. Bah, comment t'as ton salaire si tu ne travailles pas? Eh ben, mon salaire ici que je vis, j'ai un salaire normalement, voilà, depuis quelques années que j'ai un salaire. Donc tu travailles pas mais t'as un salaire? Non, je travaille pas pour l'instant, j'ai un salaire, oui. Mais c'est quoi, c'est RSA, c'est chômage, c'est Non, quoi? c'est un salaire, mais je sais pas comment il s'appelle en français, je me rappelle pas. Et tu touches combien? Ça, je peux pas vous le dire, mais... Plus de 1000 euros ou pas? Bah, à peu près 1000 euros, oui. Ouais, donc ça sert à rien de travailler? Non, mais je travaille, Oui, oui. mais si... Je fais des stages. Ah. J'ai fait des stages pour avoir le monde de travail et tout ça. Moi, je suis très bien ici dans cette ville ici à Tarbes. Je suis très bien, franchement, la vérité. Je suis à côté du Maroc. Je fais des voyages pour aller au Maroc et tout ça, pour aller me baigner à la plage parce que j'aime mon pays. Et je suis très bien ici en France. Je vis en France, je vis à Paris. Je vis des aides de la France. Les Français travaillent pour moi. Oui, tous les Français bossent. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6 heures pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi. Et à la fin du mois, j'ai mon RSA. Je touche le RSA de 600 euros tous les mois. Et j'ai 300 euros de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 euros. Mon loyer coûte 500 euros. J'ai des APL de 350 euros. Donc en gros, je paye le loyer à 150 euros. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 euros à ne rien faire. Et puis la mission locale me finance mon permis de 1300 euros. Et la mission locale en plus me paye encore mes transports, mes passes Navigo sur Paris, 84 euros tous les mois. L'électricité, c'est les assistantes sociales qui payent mon électricité. Qui payent électricité, gaz, l'eau. C'est les assistantes sociales qui payent. Moi, je fais rien. J'ai décidé de ne rien faire. Tous les Français là. Vous avez le seum. Oui, prenez le seum. Vous travaillez, vous payez les impôts pour moi. Est-ce que vous aimeriez qu'il soit intégré en France? Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez que eux ne le veulent pas non. ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin, tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent. Et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Enfin, vous nous découragez ah, de chercher à intégrer. Je vous décourage, en ce qui concerne les miens, d'abord les Marocains, d'essayer de détournement de nationalité, car ils ne seront jamais 100% Français. Ça, je peux vous l'assurer. Merci madame. Et au revoir et bonne journée. Mais Ahmed ne gardera pas cet argent très longtemps. À peine sorti de l'aide sociale à l'enfance, il appelle sa logeuse, la gérante de l'hôtel. Aujourd'hui à peu près Herbassa, un quart d'heure. 15h30. D'accord. 15h30, le rendez-vous est pris. Ahmed l'attend au café, toujours le même. Une demi-heure plus tard, voilà Nadia, la gérante. C'est elle qui fait croire au service de l'État qu'elle loge Ahmed et sa famille dans son hôtel, alors qu'elle les a installés dans un petit deux pièces, à quelques centaines d'euros par mois. Alors, là, c'est combien ? Combien moelle ? Nadia vérifie tout de suite le contenu de l'enveloppe. 23. 7. Elle établit aussitôt la fausse facture d'hôtel, qui lui permettra d'encaisser la même somme le mois prochain. Alors, le 29. L'opération a duré en tout et pour tout une dizaine de minutes. De l'argent facilement gagné. En un an, Nadia aurait touché en liquide environ 48 000 euros,
rien qu'avec Ahmed et sa famille. Je suis souvent choquée par le fait que je ne cherche pas de travail, vu qu'apparemment c'est eux qui payent mon loyer. Déjà, je suis pas sociable. Donc me promener au milieu d'un open space et faire 45 bises avant d'arriver à mon bureau, non merci. Deuxièmement, j'aime pas sortir, donc métro, RER, bouchon, ticket, personne sur la voie, train supprimé, train retardé, tout ça, c'est pas pour moi. Et enfin, j'adore dormir, donc il est hors de question que je me réveille pour aller travailler pour quelqu'un d'autre que moi-même ou ma fille. Tu l'auras compris, la question est vite répondue, pourquoi je ne cherche pas de travail? Parce que je n'irai jamais à l'entretien d'embauche. T'es de quelle origine? Marocain. T'es marocain. Imagine demain la France rentre en guerre. Ouais. Et ça devient au sol. Est-ce okay. que tu prends les armes, tu défends ou tu retournes au Maroc? Mais franchement, je peux pas défendre ce pays-là. j'ai fait du placard. Un goût amer. Voilà, c'est ça. Donc tu peux c'est pas, ça. Tu peux... Je défendrai pas la France. La France, il rentre en guerre. À une nation européenne. Bien sûr. Et moi, je prends l'armée, je vais défendre quoi? Bah, tu vas défendre le sol où tu vis. Tu vis ici ou pas? Je vis en France, mais je défends pas le sol français. Pourquoi je défends? Franchement, je te dis la vérité. La vérité, je retourne au bled. Ah, je fuis. Tu fuis dans un autre bled? Ouais, je suis dans un autre bled. Nous, les gars, si demain, il y a la guerre en France, avec peu importe quel autre pays, ouais. Est-ce que vous défendez ou vous taillez au bled? Franchement, je suis pas français. T'es quoi? Tu es algérien. Mais tu vis ici ou pas? Je vis ici. D'accord. Je suis étudiant ici. Mais je suis pas français. Quel genre de guerre? Contre qui? Bah, avec contre un pays. Ah, non, voilà, contre Algérie, par exemple. Algérie? Non, non, je rigole. Bah, oui, je vais défendre mon bled. Bah oui, mais vas-y, contre un autre pays d'Europe, par exemple. Franchement. Je te dis franchement, on n'aime pas la France. Toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique.